We have with us the coach Abdul Karim Zito, that's not the correct pronunciation, and the players Bofori Makpati. Is that right? Yeah. Okay. Thank you and welcome to both of you for this press conference. Before we go for the Q&A, I will first ask you a question, coach, and then ask a question for the players, and then we go for the question and answer. Coach, tomorrow you're going to have a very crucial game with Stade Malien. How did you and your boys prepare this game for tomorrow? Well, we prepare well because since you've qualified, definitely you have to prepare well and then face the game squarely, because I respect on paper, I respect Stade Malien. It's a big club and we are a young club just coming up. So we are here fully prepared to face Stade Malien. Alors, nous avons très bien préparé le match de demain parce que c'est un match très important pour nous. On rencontre une très très grande équipe qui est le Stade Malien. C'est un grand club, c'est une grande équipe que tout le monde connaît. Nous, par contre, nous sommes une jeune équipe, nous venons d'arriver quasiment. Et donc, par rapport à cela, je respecte beaucoup le Stade Malien, sur le papier en tout cas. Mais je peux vous dire que nous, nous sommes préparés, nous sommes totalement préparés pour jouer la rencontre de demain. Hopefully, as a players, we're going to have tomorrow the kick-off round, the kick-out round with this quarter-final. As a players, how did you and your mates discuss about the game of tomorrow? And how ready are you to give a tough opponent to the Madrid team? Yeah, I think we are ready for the game. And we know how difficult the game is going to be. So I think we are fully prepared both mentally and physically, and we are ready for it. Alors, nous sommes prêts pour le match de demain. Nous savons que ça va être un match très compliqué, mais nous sommes déjà prêts. Nous sommes bien préparés physiquement et mentalement pour lui aborder cette rencontre. Now the floor is open. Questions? Si vous voulez poser des questions. Stade Malien Média Officer. Okay. Coach, on sait qu'en championnat, vous n'occupez pas une bonne place. Lors du dernier match aussi contre Rivers United, vous avez été battu au Nigeria. Ça fait un bon moment que vous n'avez pas gagné. Est-ce que cela n'a pas semé le doute chez vous? Coach, you know that actually you're not in a good position on the European League. And also, you lost your last game against Rivers in Nigeria, Rivers United. Don't you think that the situation may affect your boys or your team in this match? Never at all. We talked about Luka, yes. That is why I say we are a young club. We are playing the competition. We are also playing our league. We are also playing the FA in our country. We also qualify again to the quarterfinals of our FA in Ghana. And then some of my boys went through to the national teams. So we lost about 7 players that are starters in my club after River United game. So we are managing. I am not there to win the league. I'm there to continue playing contest because we are a developing team. We develop these young boys and then we let them change their status in future. Now, come back to Rivers United. What matters in that game was to qualify. Because when I was coming, I know that a win, a draw, even a lose can let me qualify. So I held it to a certain period of time. And then he scored the first goal in game. Struggle with me throughout until I get a red card. So I'll see that red card gave them the opportunity to win. But yet, after all, what matters is for me to qualify. And even with the loss, I qualified and then top the goal. So I'm okay. Alors, donc, non du tout. Ces différents résultats n'affecteront pas du tout notre performance. Parce
parce que pour nous, et c'est ça qui m'a mené à vous dire tout à l'heure que nous sommes une jeune équipe, on est engagé en championnat, on est encore en course dans la Coupe du Ghana, nous sommes qualifiés pour les quarts de finale, et nous sommes également qualifiés pour cette compétition en quart de finale de la Coupe CAF. Et en plus de cela, nous avions nombreux de nos joueurs qui avaient été appelés en sélection nationale du Ghana. Et donc, vous pouvez comprendre que contre le match de Rivers, on a joué avec quasiment 7 joueurs absents de l'équipe type. Mais ça n'a rien changé parce que contre ce match de Rivers, nous savions déjà notre statut. Nous étions presque qualifiés, que ce soit avec une défaite, une victoire ou un match nul, nous étions déjà qualifiés. Donc, une fois là-bas, nous avons marqué en premier. Ensuite, ça a été très difficile pour eux de revenir au score et j'ai dû prendre un carton rouge. Et c'est quand j'ai pris le carton rouge qu'ils ont pu se battre pour pouvoir égaliser et venir à bout de notre équipe. Donc, ça n'affecte en rien nos performances et nous sommes prêts pour le match de demain. Yes, prochaine question. Bonjour, coach. Bienvenue à Et j'aimerais savoir, avant d'affronter le Stade malien demain, est-ce que vous avez une idée sur le football malien? Ok, coach, before you meet the Stade malien team tomorrow, do you have any idea about Malian football? I know the idea about Malian football is the idea to Sibos Academy to enhance the talent they are having here and any country that goes to the academy. Will come up with a group because I'm also an academy coach and developer. Ghana, there's no developer like me. And we started my life. I remember when I was coaching King Face, I played Malia here and they beat me 8-0. Then they came to Ghana 0-0. So, Malia, so that is the only idea I have about. Stade Malia is just like us, Bokoto in Ghana. They are a club that have seen it all. So we are a young club coming up. So the only knowledge I have about them is not us. Now that we have to play them, now I'm going to know what they are, but now they play them, how to do that. Every coach will do that. I think the coach here also did the same thing. To see who is the success. You understand me? So the respect is there. And the only time, so I was telling my brother, since I played Stade, this is my second time of coming to Mali. But I know what is going on in Mali in terms of football, they are developed. Je sais ce qui se passe au Mali en termes de football. En tout cas, je sais que c'est un pays qui travaille beaucoup sur la formation. C'est un pays qui a beaucoup d'académies et qui forme beaucoup de joueurs très talentueux. Donc ça, je le sais du Mali, c'est un football en développement, c'est un football en grande progression. Jusque-là, je n'avais jamais eu la chance de rencontrer ou plutôt de venir souvent au Mali. J'ai eu qu'une seule expérience contre une équipe malienne quand j'étais entraîneur avec King Faisal. Et en ce moment, on avait joué une équipe malienne qui nous avait gagné ici 1-0. Et au retour, on avait fait 0-0 au Ghana. C'est là que nous avions. Ça, c'est la seule expérience que j'avais. Mais cela dit, en ce qui concerne notre équipe, comme je vous le disais, moi aussi, je suis un coach de formation, le développement. Je suis spécialisé dans les petites catégories. Et je sais qu'en la matière, le Mali est vraiment une référence sur ça. Donc, au-delà de ça, évidemment. Et je sais ce que je sais de cette équipe parce qu'aujourd'hui, avec les technologies, on a le moyen de suivre, de superviser toutes les équipes qu'on approche. C'est ce qu'on a fait. On a dû voir des matchs de l'équipe du Stade Malien cette année. Et je pense aussi que leur coach a fait la même chose. Donc, c'est des pratiques qui sont là, qui sont propres à tous les coachs, de voir comment leurs adversaires jouent et d'avoir des vidéos sur eux et de les regarder. C'est tout ce que j'ai là-dessus. Mais le Stade malien, je le répète encore, reste un grand club. C'est comme chez nous l'équivalent du Hearts of Oak ou de la Chicago. C'est des grandes équipes. Nous, on est une jeune équipe. On est en plein développement. On est en train de se développer en travail comme ça. Une autre coach, on va te passer la Thank you. Good questions. Ok, pour le joueur Ofori McCarthy. Yeah.
c'est votre première fois d'atteindre le quart de finale d'une compétition africaine. Que ressentez-vous? De la pression ou bien de la motivation? For you, this is the first time for you to reach this level of the competition, the quarterfinal. How do you feel? Is it a pressure for you or is it a motivation? Well, I think it's not a pressure for me. Looking at the competition, right from when we started this competition, I think we were the underdogs. We didn't believe in our capabilities. They didn't know that maybe we can come, we can even come far. And we took them by surprises. And I think looking out or coming out, how far we have come in this competition, everything is going to be ready for us. But one thing we're also going to do is that we are going to go with the same mentality. We are going to go with the same mentality and make sure that we get a positive result and go back to Ghana. Alors, non, ça ne peut pas être une pression pour nous, parce qu'avant de commencer cette compétition, il n'y a pas beaucoup de gens qui misaient sur nous, mais à la fin, ils ont vu ce dont nous étions capables, parce que nous sommes arrivés à ce niveau de la compétition, et désormais, personne ne nous fera des cadeaux. Mais cela dit, nous sommes motivés, nous sommes prêts pour venir jouer ce match-là, mentalement, et c'est surtout pour chercher un bon résultat. Et c'est ça notre ambition, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Questions? Question? Ouais, go ahead. Coach, vous jouez le match aller à l'extérieur. Maintenant, vous venez pour un match nul ou bien pour gagner? Soit vous venez pour défendre ou bien vous jouez comme vous avez l'habitude de jouer parce qu'on sait que vous avez un jeu fluide et technique. Coach, you're playing the first leg in here in Mali, Monaco. Does that mean that you're coming to look for a draw or you're coming to play the football everybody knows? You know that you have a very sweet football, your team played very well with good technical skills. Whatever I have is in my mind. Whatever I have is in my mind. So you should come to the park tomorrow at the end of the match and you see what I've come here for. Alors, tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai, qu'est-ce qui va se passer, je l'ai déjà dans la tête. Si vous voulez avoir la réponse à votre question, soyez là demain après le match, parce que vous aurez en ce moment su ce que j'ai dans l'esprit et comment j'ai abordé ce match-là. Question? No more questions? Ok. If there is no more questions, thank you, Coach Abdul Karim Zito. Coach, thank you for your Makati and wish you all the best. Thank you. Unless if you want to say some more in Chi for your... Do you do some Chi? Do you need the coach speaking in Chi in local language? Oh, no. Just for your media, it's fine. Okay. Thank you, Coach, and wish you all the best. You okay. Yes, I was there last week.